comme je suis né en 1927, et nous sommes nés tous dans le village, tous les deux dans le village, on a quelques souvenirs. Je suis né en 1931, ce qui me fait aujourd'hui 80 ans et quelques mois. Mon enfance, je l'ai passée à Scou. Et après, ma vie de galère était à l'hospitalet. Moi, je suis né à Orlu en 1938. Il paraît qu'il y avait 1,50 m de neige. Eh bien, il y avait du monde avant, mais maintenant, il n'y a plus personne. Je suis né ici, moi. Bon, après, j'étais à l'école hospitalière. Hein. J'aurais pu partir, mais ma mère n'a jamais voulu que je parte. La montagne. La montagne, c'est un territoire spécifique, peuplé de personnages authentiques. La mémoire. La mémoire est un trésor précieux qui explique hier, inspire aujourd'hui et fabrique demain. Un trésor immatériel qui disparaît peu à peu. Durant 3 mois, l'équipe de l'Observatoire de la montagne a recueilli la mémoire orale de 10 montagnards de la haute vallée de l'Ariège dans les Pyrénées. Ce documentaire présente des extraits de mémoires ouvrières et paysannes des villages d'Orlu, Orgex, Mérens-les-Val et l'Hospitalet près d'Andorre. En écoutant la parole de celui qui raconte sa vie, on retrouve le détail de pratiques, de savoir-faire et d'anecdotes qui s'estompent dans les mutations de la société actuelle. Avant, à chaque porte, il y avait des moutons, des vaches, des chevaux, nan, et puis les cochons et tout les chèvres, tout pour le ménage. Et ce qu'on vivait de l'élevage. Ben, il y avait des vaches dans chaque propriété, en fait, dans chaque maison, quoi. Des vaches de brebis, ça dépendait. Oui, mais pas beaucoup. Chaque propriétaire avait 400 jusqu'à 10 vaches. Les plus gros propriétaires, 10. 10. Alors mes parents, eux, c'était des petits agriculteurs, puisqu'il n'y avait pas de grands agriculteurs à l'hospitalier. Il n'y a pas de grandes surfaces cultivables, il n'y a pas de grandes surfaces non plus pour faire paître les bêtes. Alors quand on avait 15 vaches, presque on était riche. Et nous, on en avait toujours une douzaine, on avait quelques chevaux. Et comme tout le monde, un ou deux cochons, des poules, voilà. Ce qu'il n'y a plus actuellement. Il n'y a plus une bête sur l'hospitalet, il n'y a plus un cochon sur l'hospitalet, et il n'y a plus ni une poule, ni un coq, ni un lapin. Il n'y a plus rien. Ici, si vous voulez, la vie était animée par les saisons. Hein. Les gens, c'était bien cloisonné, c'était bien défini. Si vous prenez, bon, on va commencer par le mois de l'hiver, là. Donc les bêtes sont de la montagne pour la Toussaint. Bon, après c'était le mois de novembre, une petite partie de décembre où elle packageait d'or. Puis après c'était la neige qui arrivait et puis tout était dedans. Et puis après le mois de février, alors le beau temps commençait un peu à revenir. Alors c'était les cultures en terrasse, c'était pour transporter le fumier d'eau de mulet dans les terrasses là-haut. Après les vertes montées à la montagne, donc c'était le mois de mai. Le mois de mai, c'était l'herbe qui arrivait. On commençait à faucher pour la Saint-Jean.
Et après, ça continuait. C'était, quand on avait fini la hausse, ça reprenait ici. C'était les regains, il fallait rentrer les gerbes, il fallait les piquer. Et puis le cycle continuait. Toutes les parcelles qu'il y a là, c'était travaillé tout ça. Et on remontait la terre au printemps dans des corbeilles. Ah oui, ça on oui. Remontait la terre au bout de la parcelle. Et qui, des fois, la parcelle était comme ça, et voilà. Il rangeait les murailles après. Et les murailles, elles étaient toutes faites, hein, toutes bien rangées. Et la terre de là, tu la montais à coup de corbeille et tu la montais là-bas. Ah oui. Alors les terrasses, en principe, c'était les bons fonds. C'était du seigle, du millet, du petit millet. Et puis les pentes, c'était du blé noir. Du blé noir ou de l'avoine. De quoi on vivait? On récoltait les pommes de terre. Hein, c'était la chose principale pour les bêtes et tout. Hein. Et puis du seigle, que l'on allait moudre, faire moudre, et qu'on faisait du pain. Ici, maman, elle faisait du pain une fois par mois. Et là, tout le monde se faisait les pommes de terre. Hein. Ils faisaient les trous dans le champ. Ils allaient chercher au mois de mars, le printemps. C'est-à-dire les champs étaient loin. Ils faisaient un trou dans la terre. Et les pommes de terre, ils allaient chercher avec avelane, un sac, le printemps quand ils avaient besoin, et pour ressemer. Et c'était dur comme le jour qu'on les ramasse dans la terre après. Et d'abord, tous les champs que tu ailles partout, au bout du coin, au bout du champ, tu as encore ça se voit. Les bons coups, c'était le dépiquage. Là, c'était tout le monde était volontaire. Parce qu'on dépiquait le blé. On le coupait, on le mettait en chapelle, on le laissait 8 jours dehors ou 10. Après, on le rentrait dans une grange. Pendant 4 ou 5 jours. Et puis, on le passait à la batteuse pour le dépiquage. C'était pénible, ça. Il y avait une poussière. Tout. Ça, je l'ai fait longtemps. Et là, on cédait, mais il y en avait beaucoup qui voulaient venir, là. Parce qu'il y avait une bonne bouffe après. Ça, c'était comme quand on tuait le cochon. Quand on tuait le cochon, c'était la grosse bouffe, là. Alors. C'était la fête. C'était la fête. Et quand on avait mangé à midi, les femmes allaient. Au moulin, comme on appelait, où il y a la rivière, en fait. La rivière, au bord de la rivière, il y avait un moulin. Et ils allaient laver le ventre du cochon au moulin, les femmes. Et nous, les hommes, café, rhum et la belote. Et le vin chaud. C'était au mois de janvier. Puis les gens s'entraînaient beaucoup. Vous aviez l'hiver, c'était les cochons qu'on tuait. Oui. Dans chaque famille, il y avait 1, 2, 3 cochons à tuer. Et on s'entraînait à faire les parents, en principe. Quoi. Il fallait charcuter tout ça et. Le dépiquage aussi. Le dépiquage, c'est, ils se réunissaient à 3 ou 4 familles pour dépiquer le. C'était du seigle qu'on faisait en principe. On semait les dernières. C'était le sarrasin qu'on semait en dernier. Donc, on s'en servait parce qu'on faisait de la farine avec le sarrasin pour l'élever de cochons. Parce qu'à l'époque, les cochons, c'était à peu près toute la seule viande qu'on mangeait de. On n'allait pas, pratiquement pas chez le boucher, rarement. Alors, on vivait de la viande du cochon toute l'année. C'était tout. Après, les cochons, on tuait 3 cochons. Il y en avait que des familles, enfin, on tuait 3 cochons à l'année. On tapait toute l'année sur le cochon. Et les poules, les œufs. Et puis le jardinage. Et voilà. Voilà. Vous savez, c'était rude. Hein. Alors, tous les matins, on voulait partir à la métairie parce qu'ils avaient des 5 ou 6 vaches et une jument. Je partais avec lui au début, et on rentrait le soir. Le troisième jour, il m'a dit de me débrouiller toute seule. Mais comment voulez-vous que je fasse? J'ai dit, j'ai jamais eu de bêtes, moi, ni rien. Vous vous débrouillerez. J'ai pleuré tout le long du chemin, hein? 3 km pour aller, 3 km pour revenir. Après, il fallait les traire, ces vaches. Ça a été le bouquet. Oh là 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 là. Je ne savais pas traire une vache, moi je l'ai pincé, pam, un coup de pied. J'avais une casserole, un peu de lait au foie, pas la figure. Il y avait un petit veau qui tétait, alors il avait deux mamelles lui et deux mamelles moi. Mais lui, il avait vite fait de les avaler, les mamelles. Après, il venait chercher les miennes. Qu'est-ce que je m'en suis vu? Oh là là. Vous savez, une femme dans les fermes, elle avait autant de travail qu'un homme dans les champs. Et l'après-midi, quand elle avait fait le travail de la ferme, elle venait dans les champs avec les hommes pour ramasser le fourrage et tout ce qu'il y avait à faire dans les champs, dans les prairies. Alors les femmes, elles travaillaient beaucoup, vous savez. Les femmes travaillaient nuit et jour, les femmes travaillaient.
au pré, et puis le dedans, le linge, le repas et les gosses. Les gosses, c'est le grand qui gardait les autres. Il ne faut pas croire qu'ils n'étaient pas poupelés comme aujourd'hui. Il n'y avait qu'une chose dans les travaux, de la ferme que je n'aimais pas, c'était moissonner. Parce qu'il fallait moissonner à la faucille. Le seigle, l'avoine, tout ça, il fallait le couper à la faucille. Et là, rester toute la journée en pleine chaleur, on faisait ça à la fin du mois d'août, il faisait très chaud. J'avais horreur de ça. Moi, mon grand-père, c'est mon grand-père qui nous a élevé, papa et maman, dans les champs et les prés. Et en arrivant le soir, il avait préparé la soupe. Il avait préparé à manger aux cochons, les poules, quand ils arrivaient le soir. Et les vieux, ils rendaient beaucoup de services. Et puis ils restaient à la maison, ils mouraient à la maison. Ils savaient que tout continuait à la maison. Les vaches étaient à l'étable, le fils continuait, les champs continuaient à se labourer, tout tandis que maintenant, un décède et on vend tout et en avant. Les veaux, après, étaient vendus la grosse foire, c'était le 14 septembre, à Ars. On les cherchait là-haut, on les sendait à la foire, bon, ce qui était vendu était vendu, ce qui n'était pas vendu remontait. Et puis après, il y avait une autre foire pour la saison, c'était le 20 octobre. Oh là là, le 14 septembre et le 20 octobre. Les marchés étaient devant l'église jusqu'au pont en bas. Ils se faisaient là, le marché, les marchands de chaque côté, il y en avait. Maintenant, il n'y a plus rien. Toute la campagne descendait, tout ça, et tout. Il n'y avait pas de magasin. Les gens achetaient là. Maintenant, ils s'en vont dans les magasins. Et la plus grosse foire, c'était au mois de septembre. Celui qui n'avait pas fait affaire au mois de septembre, après, il y avait octobre et novembre, mais les maquignons, ils étaient coquins. Parce qu'ils savaient que l'été, vous rentriez du fourrage dans les granges. Et si vous n'avez pas vendu au mois de septembre, en octobre, les vaches que vous n'aviez pas vendues, et vous aviez rentré du fourrage pour garder tant de vaches. Ou alors, si vous en gardiez un sur plus, elles étaient maigres. Papa, il n'aimait pas avoir les vaches maigres. Et alors, les maquignons, ils le savaient qu'il fallait les vendre. Et alors, il fallait les brader plus d'une fois. Moi, je me rappelle, papa, quand il disait, « Oh, je l'ai bradé, celle-là, je l'ai bradé. » Il y avait une coutume. C'était pas un droit d'aînesse, mais ça y ressemblait beaucoup. C'est que souvent, c'était l'aîné qui était destiné à prendre la suite des parents à la ferme. Parce qu'il y avait pas de. La ferme ne pouvait pas nourrir plusieurs familles, vous comprenez. Et alors, moi, c'est mon frère aîné qui est resté à la ferme, et les autres sont partis, les uns à droite, les autres à gauche. Et voilà. Tant qu'il y a eu le droit d'aînesse. Les terrains n'étaient pas morcelés, c'était l'aîné qui récupérait le bactole et puis les autres, ils se tapaient sur le ventre, comme on dit. Seulement après, quand ça a été fini, chacun voulait le. Alors, si c'était une belle pièce dans le fond, là, et bien chacun voulait son morceau. C'est pour ça que vous trouvez des bandes de terre, vous dites comment ils se sont. C'est ça qui s'est passé. Oui, on était cinq, mais ils sont tous partis, il y a comment ils sont restés. Quoi. De toute manière, il y avait la place que pour eux. Dans toutes les familles, il y avait la place que pour eux, de toute manière. Et puis, comme ma soeur qui portait du foin de là-haut jusqu'à Mérens, quand elle a pu partir, elle n'est pas restée. Moi, j'étais jeune, je ne l'ai pas fait. Mais elle, ma soeur, elle est encore vivante, elle a 6 ans de plus que moi. Elle portait des fagots de la plateforme. Vous montez là-haut, vous êtes monté. Vous avez vu la plateforme qu'il y a ? En face, il y a la métairie, là. Elle rentrait vers toute la journée, le soir, un fagot à la maison. Et au mois de mars, il n'y avait plus d'herbe, ils allaient chercher les fagots là-bas. Alors que le jour qu'ils ont pu partir, je les comprends. La montagne elle-même n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, c'est plutôt dans la vallée, les terres cultivables. Ça. Mais tout était cultivé. Il y avait des champs, là, ici, à Augex, derrière, à Scou, pareil. Tout était cultivé. Soit des prairies, soit des champs pour faire des pommes de terre, pour faire des céréales. Tout était cultivé. Tandis que maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y a plus rien. Quand la haute montagne n'a pas tellement changé. Du coup, avant, c'était des prés. Et c'était des prés. C'était tout des prés, oui. Et maintenant, c'est des noisetiers. Et, oui, et de chaque côté, c'était des prés.
il fauchait tout jusqu'au parking, quoi, pour essayer. Mmh. Et quand on arrivait des fois sur la montagne, moi, une fois, ça m'est arrivé, je l'ai pleuré. Une bête, elle s'était cassée la figure. Elle était allée manger où il ne fallait pas. Elle s'est cassée, personne pour la surveiller, elle s'était cassée la figure. Eh bien, c'était dans un trou, le bénéfice. Que maintenant ils ont des aides, des subventions et de tout. Avant, on n'avait pas seulement de l'argent pour l'assurer, on ne pouvait pas assurer une bête, on ne pouvait pas. On n'avait seulement pas l'argent. On serait été mieux aidé, moi j'adorais le travail de la terre. On serait été mieux aidé, moi je serais pas parti, je serais resté. C'est contrairement aux éleveurs d'aujourd'hui, à l'époque je ne sais pas s'ils avaient un autre amour des bêtes quand même que maintenant. Moi je me rappelle ici quand on les sortait boire. Si bien souvent il neigeait, mais en arrivant à l'étape, avec le balai ou une paille, on sortait la neige de sur le dos maintenant, et passait tout l'hiver dehors. Bon. Oui, le bon ou le mauvais, je n'en sais rien. Papa, il a galopé la montagne, mon Dieu, s'il a galopé la montagne. Il était à l'âge de 11 ans, son père l'a amené. Vous savez, les gosses jouent d'aujourd'hui à 11 ans, on les bichonne. Lui, à l'âge de 11 ans, il l'a amené au Bézine. Avec l'âne, il est allé y porter le bardac, comme il dit, et un peu de nourriture, et des moutons, garder des moutons. Garder des moutons. Et le premier soir qu'il l'a laissé au Bézine, tout seul, son père, quand il est reparti, mon père, aussitôt que la nuit est tombée, il a eu peur. Dans la cabane, il a allumé un grand feu. Et il a passé la nuit avec le chien entre les jambes, pour vous dire la peur qu'il avait. Mmh. Bon, et puis il s'y est habitué, et il est resté sur la montagne de 12 ans jusqu'à 31 ans qu'il s'est marié. Mes parents avaient un troupeau de vaches, un troupeau de moutons, quelques chevaux. Je m'occupais moi principalement du troupeau de moutons. Ce qui fait que mon premier métier en fait a été berger. A été berger. Je suis allé tout l'été garder les vaches avec Pierre de Taillance. 15 ans ? 15 ans, je devais avoir. 15 ans. 15 ans. J'ai passé l'été là-haut. Et ça, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. On couchait dans les cabanes de l'époque. C'était pas les cabanes d'aujourd'hui. C'était des cabanes en terre. Ça faisait comme un dôme. C'était couvert de terre, vous savez ? Et on couchait là-dedans. C'était pas facile. Mais à l'époque, les troupeaux étaient gardés. Alors on se mettait à plusieurs propriétaires. On faisait un troupeau communal, comme on peut appeler ça. Et celui qui le gardait, il était appointé. Il était nourri et il avait une mensualité, quoi, si on peut. Il n'y avait pas de sécurité sociale non plus. Oh non. Le matin, on se levait, enfin, on ne pouvait pas manger. Ça, chaque semaine, chaque 7 vaches, tous les gens du Patelin t'apportaient la fournitude qu'on appelait, le ravitaillement pour la semaine. Alors, où ils te l'apportaient? Quand on était en Gaudu, ils nous l'amenaient en Gaudu. Quand on était en Seille, ils nous l'amenaient en Seille. On allait à Paraou aussi, on nous l'amenait à Paraou. Et ça, c'était pour la semaine. Là aussi. Comme j'étais jeune, on me portait une tablette de chocolat, à la place on me portait un paquet de tabac de gris. Oui, parce que tu ne fumais pas, toi. Je ne fumais pas. Quand j'étais berger, je ne voyais que les personnes qui venaient me porter, une fois par semaine, le ravitaillement. Il n'y avait personne. Je m'ennuyais. Ah oui. Parce que j'ai commencé à l'âge à 15 ans, vous savez. C'est long, les journées sont longues, je m'ennuie. Et pourtant, que faire? Thank you.
et je devais avoir 15 ans, 15 ou 16 ans. Papa m'a loué avec l'âne à des ingénieurs qui sont allés aux Bézines, je ne sais pas si vous connaissez les Bézines. Ils sont allés aux Bézines pour ingénier, disait mon père, pour tirer des plans, pour capter les lacs déjà. Et regardez qu'après, ils se sont captés. Et j'ai porté au cabane, à la baraque, les Bézines, avec l'âne, je suis monté tout leur appareil. Parce qu'en fait, ce qui a un peu sauvé la région, disons que c'est la vallée, c'est les travaux. D'abord, ça a été le Taspianien. Alors les gens, ils avaient travaillé au chantier en bas. Et puis ça a été le chantier de Naguille. Alors le chantier de Naguille, je crois que ça s'est fait, je crois que la centrale avait été mise en service en 1911, je crois. Si je ne me trompe pas. Bon, ça, il y avait beaucoup de gens du coin qui travaillaient. Et puis après, il y a eu une consolidation du barrage qui a démarré en 37. Jusqu'en 1939, c'est là qu'il y a eu l'avalanche. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là-haut. Et après, évidemment, quand la centrale a fonctionné, beaucoup de personnel, tous les machinistes, parce qu'il y avait le service de cale, les machinistes, le service d'entretien, et c'était tous des gens, en principe, de l'objet de l'eau. Il risquait pas d'y avoir du chômage à ce moment-là. Rien que déjà, quand ils ont fait les barrages et tout ça, tu te rends compte du monde qu'il y avait. Et c'était plus de 100 à Verdier, là. Plus de 150 au moins, il était là. La vieille usine et celle-là, ça a fait vivre deux générations. Que ces gens-là sont partis déjà après la Seconde Guerre. Là, hein. Parce que c'était invivable avec 400 vaches, quoi, qu'il y avait dans chaque exploitation. Il n'y aurait pas eu l'EDF ici, le village serait fermé, il n'y aurait plus personne. Entre Orlu et Orgès, on était peut-être une trentaine d'EDF. Mais plus. Ou plus, même. Avec la vieille usine, plus. La vieille usine. Oui, avec les anciennes, la vieille usine, on était plus. On lavait les tôles des machines. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant. Il fallait refaire toutes les tôles, les gratter avec la brosse sous un robinet. Et moi, j'étais chef d'équipe, là. Ah ouais. Mais l'argent qu'on avait, il fallait redonner aux parents. L'argent qu'on nous donnait pour vivre aussi comme Jean, on ne pouvait pas. Quel âge tu avais là quand tu allais à l'usine? Toutes les vacances. Ça devait être 12, 13 ans, jusqu'à 14 ans, on est allé à l'école. On n'avait pas trop d'argent à la maison. Hein. Et c'est pour ça que j'allais travailler, on m'avait embauché là. J'étais la plus ancienne, on m'avait mis chef d'équipe. Et ce monsieur est venu me retrouver quand j'étais à Tarascon pour refaire la centrale de Péchiné à Tarascon, mais je n'ai pas voulu y aller. De Sabah, oui. Et là, je n'ai pas voulu y aller parce que j'avais les enfants à l'école. Et bon. Sinon, ils voulaient m'embaucher l'EDF et partir l'EDF. Oui, il y en avait qui travaillaient à l'EDF. Il y en avait beaucoup qui travaillaient à l'EDF, ici. Oui. Et ils s'en allaient en vélo, tu les vois, ils étaient par deux, c'était les équipes de deux, je me souviens. Et des fois, tu avais un mètre cinquante de neige pour arriver là-haut. Ils montaient en vélo l'hiver? Ils se faisaient, non, l'hiver après ils partaient à pied, mais des fois il y avait un peu de neige, tu les voyais partir avec les capotes qu'ils avaient. Et tu les voyais partir là-haut travailler. Mon père travaillait là-haut. Et l'hiver il fallait faire le chemin à pied. Ah oui, parce que l'hiver avait la neige et il allait là-haut. Quand on prenait la neige jusqu'au genou en bas, et arrivait jusqu'à l'eau. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de ski, des raquettes. Des raquettes qu'on fabriquait encore. Un cercle en bois, comme ça, en freine, et puis des petits câbles tressés, et des courroies en cuir dessus. D'accord. Et ça marchait bien? Ça marchait bien. À l'époque, on ne connaissait que ça. Hein. On ne connaissait pas autre chose. On montait, quand il fallait aller au barrage, là-haut, prendre la côte, parce que maintenant, surtout, ils prennent la côte depuis Toulouse. Quoi. Avant, il fallait monter à pied, aller mesurer l'eau au barrage, la hauteur qu'elle était. Une fois par semaine, Une fois par semaine.
Et au printemps, tous les jours, hein, il y avait un gars qui montait tous les jours là-haut, pour descendre le soir. Et ben, il y avait beaucoup de boulot, on allait en Oux, partout on allait. Bon, c'était bien, non? Mais quand je suis à DF, moi qui étais habitué au grand air, là, je trouve un peu duré. Si on m'enfermait, ça me manquait. Le ski, tout ça, le grand air, hein. Ça manquait beaucoup. Bon, après, on s'y fait quand même. Hein. Là, qu'une chose qui m'a surpris, bon, le patron m'a pris, je disais, vous n'avez pas le plus qui m'a attiré dans la centrale. Cherchez le pouvoir, si vous pouvez le trouver, vous ne trouverez pas. Les douches. Ah, je vous jure, hein. Je suis rentré voir, je dis, je vois les douches. Ici, on n'avait pas de douche, on n'avait rien, hein, hospitalier. Quand il me sage, quand même, les douches, tout. Et c'était des gens qui faisaient les deux, qui avaient la terre, qui avaient le chantier, donc qui faisaient marcher les. Et ça fait que bien souvent, les gens ils étaient ici, ils descendaient pour travailler, et puis après, ils allaient prendre la carte là-haut. Alors quand ils avaient bossé toute la journée, ils devaient avoir le sommeil le soir. Hein. Oui, c'est sûr. Enfin, quand les wagons ont été chargés, ils cherchaient le tracteuriste, mais où il est. Le chef d'équipe est allé le chercher. Il s'était mis dans un gros tuyau de ventilation, là, et là il dormait. Il a fallu qu'il le tire par les pieds, vous vous rendez compte? On n'était que quatre dormus qu'on travaillait à la centrale, et tous les autres, ils étaient au téléphérique. Et alors, quand on avait fini de couper, fini, à 7 heures, on revenait, on allait faire la journée. Avec la ITP, c'était à ce moment-là, ou la parisienne, je ne sais pas ce que c'était comme boîte. On travaillait toute la journée, on mangeait à la cantine, on finissait le chantier à 5 heures. À 5 heures, allez, on allait faire du fourrage. tant qu'on pouvait. Parce que la journée, il faut travailler à équipe. Et quand on travaillait de nuit, quand il travaillait de nuit, la journée, des fois, au lieu d'aller se reposer, moi, mon mari, il arrivait ici, il prenait ou la faux, ou la bêche, ou la hache, pour aller travailler. Pas beaucoup à se reposer. Quand il allait faire la sieste pour le réveiller, je ne pouvais pas le réveiller. À l'époque, on était pas mal à l'EDF. Et puis, au point de vue social, on était bien quand même. La paye n'était pas trop mauvaise. Oui, les chantiers avant, c'était bien payé. Oui, c'était bien payé. Je vois mon mari, il avait suivi, avant que je le connaisse, même à Ozat, tout ça, il avait travaillé beaucoup à l'état de Niour. Mais là, les jours fériés, tout majoré, ils travaillaient samedi, dimanche, tout, et tout majoré quand même. Oui, là ils travaillaient bien, faire attention, c'est de l'esclavage. À l'hospital, oui, il y avait la mine du Puy-Morens, où il y avait pas mal d'ailleurs d'activités, il y avait de grandes activités. Mon père, il était à la mine de Puy-Morens. Il a fait toute sa vie à mine de Puy-Morens. Ce Puy-Morens, il avait dû faire. Il y avait un câble qui descendait. Et ici, par contre, il arrivait par des wagonnets et il arrivait sur le parking où il était traité. Puis ensuite, il était mis sur des wagons. Il y avait un embranchement particulier. Et si tu lèves la tête, tu vois les bâtiments qui sont encore qui sont bien construits. Enfin, ils ont été bien construits, ils sont vraiment en état encore. Et là-haut, il était une centaine, hein, qui avait une école. Hein. Oui. Il y avait une école. Il y avait un cantinier. Il était une centaine. Hein. Et moi, j'allais voir souvent les mineurs et ils travaillaient la pioche, hein, torsus. Hein. Moi, j'avais peur dans la main. Toute la nuit, ça craquait, ça. Un jour, je suis pas digé, j'en ai marre. Ah oui, il faut d'abord.
l'habitude, hein, travailler là-dedans. Hein. Des fois, les wagonniers, il y en a qui se détachaient. On avait un champ dessous, là. On avait intérêt à s'échapper, parce que le wagon est tombé, il vous aurait tué. De la mine, ici. Après, c'était très bien. Les enfants de mineurs étaient beaucoup mieux logés que moi, qui n'étaient pas un enfant de mineur. Non, parce que c'est un peu plus riche. Ah oui, oui, oui. Nettement plus riche, parce qu'ils avaient déjà un système social qui était très bien. Et donc, quand même, les enfants de l'hospitalier, on n'en a pas profité beaucoup, mais ils nous faisaient profiter à Noël. On avait un film, un chocolat chaud, quelques mandarines, un Père Noël. Ce qui, à l'époque, ça te fait sourire, mais c'était beaucoup. Dans chaque maison, il y avait un four à pain. Et on pétrissait avec la farine. Quand on sortait du moulin, cette farine, il fallait la tamiser, en sortir le son, sortir la repasse. Il y avait des machines qui le faisaient, ça. En tournant, on s'est toujours pareil. Et la fleur de farine servait à faire le pain. Ma mère faisait le pain. Dans une mie. Elle le préparait le soir, vous savez. Et après, le matin, elle se levait de bonne heure, elle allumait le four. Du temps que le four chauffait, elle préparait la pâte. Bon, elle se tenait un travail, la pauvre. Elle faisait du pain, 7 ou 8 pains, qu'on mangeait tout le mois. À part acheter les vêtements ou un truc comme ça, pour tout ce qui concernait la nourriture, on vivait des produits de la ferme. Même pour les vêtements, les moutons, avec la laine des moutons, on faisait la tonte une fois par an, des moutons, et avec cette laine, on allait dans une filature, on faisait du troc. On échangeait, on portait la laine des moutons, on passait par la montagne, on allait à Kribut. Par où tu passais? Par Anseil. Il montait Anseil, oui. Couchait Anseil. Il prenait les sacs pleins de laine de mouton. Oh. Il montait juste, même les femmes. Hein. Oui, moi j'étais ma mère, jeune. On arrivait avec 50 kilos de laine brute. Il vous donnait par exemple 20 kilos de fil pour tricoter. Ou bien 10 mètres de tissu pour se faire des vêtements. Tu apportais la laine des moutons propre. Et là-bas, on te donnait un morceau de tissu. Oui. On t'échangeait un morceau de tissu pour pouvoir faire un pantalon ou on faisait des capuchons en drap. Le soir, on faisait les veillées, on s'amusait et on n'avait pas la télé comme maintenant que la télé, elle tue tout le monde, elle tue tout. Et on faisait des veillées. Par 10, 12, on allait à chaque maison et il fallait aller dans le grenier chercher les chaises pour s'asseoir. On allait dans les veillées les uns des autres, dans les maisons où il y avait des filles. Hein. Non, mais avant, avant il n'y avait pas la télé le soir, tout le monde jouait aux cartes. Et un soir chez l'un, l'autre soir, depuis qu'il y a eu cette télé, ça s'est perdu, ça. Avant tout l'hiver, tu as une fois chez l'un, une fois la bourre, l'autre fois aux cartes, l'autre fois... L'éveillé, c'était chez les filles. Oui, à tour de rôle. À tour de rôle, chez chaque fille. Et alors c'était après, les garçons venaient vers les... à moitié veillés, et on faisait le vin cuit, pas partout. Pas partout, mais on faisait le vin cuit. Les garçons tout seuls, vous le faisiez ça. Oui, mais on faisait. Manger un chat. Ils allaient tuer un chat, ils allaient le pendre à un arbre, et c'était faisant 10 à 8 jours après, ils mangeaient ça. Manger un chat. Il faut dire que si l'éveillé, il n'y en a pas trop eu parce qu'il n'y avait pas trop de filles. Alors non, l'éveillé, on allait aux rues. Aux rues, il y avait un paquet de filles là-haut. Seulement, il y avait deux clans. Ah bon, il fallait accepter un clan et l'autre, il fallait être sur la pointe des pieds. On faisait toujours des veillées et cette nuit-là, la veillée était chez lui. D'habitude, on lui bouchait la cheminée avec un drap mouillé, tu sais, on lui fermait la cheminée. Et toutes les filles, elles étaient en bas, tout le monde s'engueulait, on commençait à voir la fenêtre s'ouvrir pour faire partir la fumée. Et là, cette année-là, je ne sais pas comment, il y avait Amiel, le maire,
et tous les jeunes, on avait décidé d'y monter la charrette sur le toit. Mais il y avait de la neige. Hein. La neige, peut-être il y avait 1 mètre de neige. Et alors, on n'y avait monté pas la charrette, les roues, on les avait mises sur le toit. Le principal, c'était d'avoir quelque chose pour faire la musique. À l'époque, on appelait ça le phono. Alors, tout le monde n'avait pas un phono. Et le jeune qui avait un phono, lui, il était reçu à bras ouverts dans les veillées, parce que bon, il amenait son truc, il amenait ses disques, et il faisait la musique toute la soirée. Là. Et bien, le soir, on allait chez les voisins, comme ça, on jouait aux cartes ou n'importe. Et maintenant, plus rien. Les gens restent chez eux. Il y a la télé. L'électricien d'ici, il vient chez nous, à l'hôtel, là, pour leur choisir une télévision. C'était les premières. Ah oui. Alors, ils ont pris une télévision. Le monsieur me regarde et me dit, vous en voulez une, vous? Oh non, je dis, moi les moyens ne me permettent pas de m'acheter une télévision. Et si je vous la donnais? Et le moyen, ça serait un joli cadeau. Je vais vous la donner. Je vous emporterai une, vous ne me la paierez pas. J'arrive à la maison. Je dis à mon mari, tu sais pas, on va m'apporter une télévision. Mais tu es folle, il m'a dit. Mais comment tu vas la payer? Il m'a dit qu'il m'en faisait. Mais tu crois que pour Noël? Écoute, on le verra bien. Le lendemain, il y avait cette télévision. Les enfants, ils étaient contents, vous vous rendez compte? Il y avait une tirelire. Alors, chaque heure, il fallait mettre... Un franc. Oui. Un franc, oui. Allora, il y avait des jolies choses sur cette télé. Il y avait Luis Mariano, il y avait Tino Rossi, il y avait toutes ces vedettes, vous vous rendez compte? Oui. Et alors, tout le quartier venait. Oui. Les chambres n'étaient pas chauffées. On se chauffait, on passait la veillée autour de la cheminée, et quand le moment venait d'aller se coucher, on chauffait le lit, il y avait des chauffe-lits, des chauffe-vêtes, on chauffait le lit. Et on couchait dans les chambres sans chauffage. On avait des vaches, il faisait des choses, il faisait meilleur dans les tables qu'ici. Oui. Parce que moi, là, on se gelait. Il y avait le feu, là, mon père. On se chauffait de devant, on se gelait de derrière. Il y a beaucoup de maisons, comme ici. L'appartement, il était à moi. Là, il y avait le cheval, il y avait 2 vaches, il y avait 4 chèvres, il y avait les cochons. Et les poules sous les cochons. Et nous, on vivait en haut. Et la cuisine alors, en haut. Alors, ça fait que déjà, toutes ces bêtes, ça te donnait pas mal de chauffage, de chaleur. Ah oui. Et tu regarderas dans toutes les maisons, presque. Tu étais devant le feu, il faisait bon. De l'autre côté de la pièce, tu te gelais, il devait faire... Et puis tu t'es 10 degrés, tout juste, 8-10 degrés. Parce que la maison n'était pas isolée. Donc. Tu mangeais avec le tricot et la veste. Hein. Ah oui. C'est pas comme maintenant, t'arrives, tu te mettais pas chemise. Les jeunes allaient voir les filles, et des fois même on dansait, avec un phono, avec 75 autos, tourner la manivelle. On s'amusait bien. Et puis, à l'époque, on suivait beaucoup les fêtes dans le village. La fête de Scoul, la fête de Soljat, à Ignon, à Orlu, à Orgex. C'est que nous, on avait fait les fêtes à Scoul, et Soljat, et Ignon. On passait par la portée, là. On déchaussait, de l'autre côté, il y avait les grages, là-bas, parce qu'on mettait les grosses pour monter. On mettait les souliers, puis on allait au bal. Et puis, retour, on faisait l'inverse. C'était rare quand un mariage se faisait d'un village à l'autre. Ah oui. Oh, il y en avait quelques-uns, même pas entre l'Urgès. En plus, si un garçon d'Orlu épousait une fille, mettons, d'Ascou, cette fille ne pouvait pas mener ses terrains. Donc la propriété ne pouvait pas s'agrandir. Il regardait beaucoup ça, à l'époque. C'était plutôt les parents qui faisaient le mariage que les jeunes. Ah oui, c'était des mariages de raison que des mariages d'amour. Hein. D'accord. Alors soit que la fille ou le garçon avait du bien, ou soit qu'il y avait une pièce de terre qui intéressait, qui était côte à côte, et ça faisait une grande pièce aussi.
C'était... Ici, les impôts, il fallait chaque année, vous aviez tant de bêtes, il fallait donner des journées pour tant de bêtes à la commune. Alors, les hommes, on appelait ça les prestations. Ils travaillaient le printemps pour nettoyer les fossés. Et à la pelle, la pioche, la bêche, nettoyer, ils étaient propres les fossés, l'eau n'allait pas sur les routes. Et les hommes, donc mon frère, moi et mon père, faisaient ce qu'on appelait les prestations communales. Et ça, c'était ta taxe, c'était des impôts en fait. Mais au lieu de payer, tu donnais de ta personne. Donc le maire te disait, il faudrait refaire ce... Il faudrait nettoyer je ne sais pas quoi, il faut désherber, il faut aller refaire ce mur. Et c'était la façon de payer l'impôt à la commune. Mais, au départ, c'était surtout le chevaux de main pour travailler dans les champs, pour transporter du matériel. Mais moi, je me rappelle, là, ils ont demandé des étalons chers, hein, un peu dans tous les pays, presque. Hein. Si vous voyez une toile blanche et une pâte blanche, c'est pas Mérens. Hein. Le cheval de Mérens est noir, noir de noir. J'ai une photo là-bas. Ça, c'est le vrai cheval. Et je l'ai dit à plusieurs, si vous voulez des photos du cheval de Mérens, moi je l'ai. Et chaque année, et même un hiver Jean-Haut, il prenait un étalon, il s'en allait en Angleterre. Des étalons partaient à l'extérieur. Il était renommé le cheval de Mérens. Oui, 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 oui. Mais même ils disent que les croisades napoléoniennes, tout ça en Russie et tout ça, c'était le cheval de Mérens. Alors ici, il doit y avoir 19 ou 20 familles qui portent le nom de Naudy. Il y avait beaucoup de Peyre et il y avait beaucoup de Martuchoux. Donc si tu voulais les reconnaître, des gens Naudy, il y en a encore 4. Donc il fallait donner un nom aux maisons. Lui, il s'appelle Jean Naudy, mon père s'appelle Jean Naudy. Alors lui, c'est Jean de Matthieu et lui, c'est Jean de Fanchi. Voilà. Le sobriquet. Alors les sobriquets, ça c'est toutes les maisons ont un sobriquet. Mais dans toutes les communes, il n'y a pas Camérez. Hein. Moi, c'est la Rousse, c'est le Palisse. Ah. Et vous savez pourquoi vous... Parce que il se mariait entre familles, c'est pour différer. Oui, non, mais de quoi ça vient? D'où ça sort? Voilà, c'est ça, je sais pas. Mais il différait, il mettait un nom comme ça, pour distinguer les cousins, les cousines, parce que... Toutes les maisons sont des cycles, okay. Il n'y avait pas qu'à, ils se mariaient un peu presque entre cousins. Parce qu'ici, ils étaient 32 vives. Ils sont mariés, papa et maman, ils sont cousins. Ils se mariaient dans la famille. Et alors, ils étaient 32 vives. Alors, inutile de vous dire le facteur. Alors, on donnait des sobriquets à la maison. D'accord. Et ici, c'était le Courrieux. C'est papa, c'était le Courrieux. Vive Courrieux. Et moi je suis de Lanaille, ça s'appelle. C'est ma maison natale, quoi. Et puis, je ne sais pas, il y en a d'autres, vous dites. Chaque maison, quoi. Il y a Robinette. Robinette, le Rat. Le Rat. La Patrick. La Patrick. C'est pas chez Marley. Marley. Chez Mott en bas. Melot. Chaque maison a son. Robinet. Son surnom. Capitaine. Le Cassai. Tous ces sobriquets viennent du patois. Par exemple, chez moi, c'est Fanchik. Fanchik, ça vient de chic, c'est la particule qui veut dire petit en occitan. Et fan, c'est l'enfant. Les Fanchik, petit. Petit enfant, mes grands-pères faisaient tous 1m60, les deux d'ailleurs. Il y avait lui, c'est Mathieu, la maison de chez Mathieu. Alors Mathieu, c'était Mathieu, certainement. Et le vôtre, c'est quoi? Moi, c'est le Zouave. Parce que le Zouave, ça vient, je crois que le père de mon père a fait le régiment dans les Zouaves. Il y a chez Rouen, Tatine aussi. Il y avait Soulé. Il y a Cousy, Kirki, Pamit. Les gens du pays, vraiment du pays, à ce coup, quand ils parlaient de moi, par exemple, ils disaient jamais Pierrot, beau-fils, Pierrot de Jean Grand. Ça se transmettait de génération en génération. Et c'est le registre de l'état civil, c'est comme ça aussi. Fabrice, Météo France, Région, bonsoir. Voici votre bulletin de prévision concernant les Pyrénées ariégeoises. Au début que j'étais à la métairie, le mois de février, moins 25, moins 18, moins 20, moins 15, et à la fin, là, il y a 6 ans que j'ai arrêté, ça arrivait à moins 12, moins 13 maximum, et 2 ou 3 jours.
La rivière déborde jusqu'à ma métairie, là, ça ne se voyait plus, du gel. Et là, ça fait plus de 15 ans qu'on l'a plus revu, ça. Et alors, l'hiver, il faisait tellement froid et il neigeait, et tout tombait, je ne sais pas. Ça, comme à cette époque, si tu avais déjà 40 ou 50 cm de neige. Et alors, on faisait une cabane. Au mois d'octobre, novembre, on la faisait. À cette époque-ci, elle était faite. Et on y allait tout le temps faire les couillons. Et je me souviens que cette cabane, elle restait jusqu'au mois de fin février. Et quand elle fondait. Début mars. Et alors, tu la faisais pas trop grande, mais chaque fois, il neigeait. Et ça montait, ça fondait jamais. Et tu avais de la neige d'octobre, il faut dire, presque, jusqu'au mois de mars. À 11h, on sortait pour aller faire voir les vaches avec une hache, une vieille hache, pour couper la glace. Pour casser la glace. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il neigeait beaucoup plus. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'étais enfant et que 50 cm, je trouvais que c'était beaucoup, je ne sais pas. Mais enfin, quand même, je crois qu'il neigeait beaucoup plus, quand même. Le village, lui, il n'était pas neigé. Alors, c'était pas doulonné. Et les traces qu'il y avait, c'était les bêtes, parce que les bêtes, on les sortait pour aller voir deux fois par jour. Et puis, elles faisaient la trace. Seulement, ce qui se passait, c'est qu'elles tassaient la neige. Vous aviez des épaisseurs de neige comme ça. Et en plus, tous les toits n'avaient pas de la neige. Alors, toute la neige des toits descendait. Alors, bon, là, vous aviez de la neige jusqu'au mois d'avril. Quoi. Ah, une fois, elle arrivait au toit, là. Ah oui. Et alors là, il fallait se faire la petite trace pour aller aux granges, aux étables. Et... Là, vous sortiez par la fenêtre, presque. Ça aurait pu, hein. Moi, j'habitais sur la place du village, mais je suis née sur la place du village. Mes parents habitaient là, et il nous est arrivé de ne pas passer par la porte, combien de fois. Tu passais par la fenêtre de la chambre. On vivait comme ça, parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce qu'à un moment donné, avant la guerre centrale, le village il était comme ça. Les rues étaient que si c'était en pavé. Il y avait le puits d'eau, et quand on voulait fondre la neige, tout le monde se faisait la trace, et l'eau descendait. Trois jours après, le village n'avait plus de neige. On mettait l'eau. Mais c'est vrai qu'on a eu froid. Moi, j'ai eu froid. J'ai encore mes mains qui sont fragiles parce que j'ai eu les mains gelées. Et il fallait me mettre comme ça, avec la glycérine pure. Tu sais ce que c'est que d'aller à l'école avec la glycérine pure, une bande comme ça. Une fois, mon mari, pourtant, il était dur dans la neige. Il allait chercher du pain à l'hôtel en bas. Quand il était à moitié chemin, il a fallu qu'il repousse le chemin. Il se détendait. Il est arrivé à la maison, je ne le reconnaissais pas. Il avait les chandelles au nez, tout tapissé de neige. Un froid. Et une tourmente. Ah oui, moi j'ai vu mon père, il avait des gros sourcils bien fournis. Ça faisait comme, je sais pas, c'était de la glace. Le nez, c'était une chandelle. Là, elle a dû te dire mieux que moi, ma mouchard. C'était pas facile. Après, là-bas, ils étaient tranquilles quand même. Parce qu'ils gardaient les vaches, ils jouaient à la belote. Ils faisaient pas grand-chose dans la journée. Mais il fallait y aller, il fallait en revenir. C'est pas une légende quand tu vois des photos que... Tu vois les hommes qui sont dans un couloir. Tu as l'impression que l'homme est tout petit et la hauteur de neige, je ne sais pas moi combien. On ne se rend pas compte quand on est petit. Mais en fait, moi j'en ai connu, il y avait 5 ou 6 mètres quand même. Une fois, on vendait du lait. Il y a la femme du directeur de la mine qui était venue chercher du lait. On a entendu crier. On est sorti, elle a appelé au secours. Elle était tombée dans une congère de neige. Le vent l'étouffait. Elle serait morte si on n'avait pas été là, hein? Ah oui. Oh, c'est terrible. Les vents se croisent, alors ça vous étouffe, vous ne pouvez plus respirer. J'avais commencé en 1943, à l'hospitalet. L'avalanche du côté droit en descendant. Du côté droit. Il y a un bel gabion. Je ne sais pas si vous voyez dans les virages dessus. Si.
Béla avait traversé la voie ferrée. Elle était arrivée de l'autre côté à la route. C'est cette année-là que j'ai commencé à travailler. Et il y avait 5 ou 6 mètres de neige à la route. Vous vous rendez compte un peu, l'hôpital. Et par étage, on faisait à la pelle. Si c'est une avalanche au tourbillon, tu te rappelles là-bas, ça avait fait comme si c'était au fil à plomb. Des arbres comme ça, comme une tranchée. Où ? Eh bien, à la voile, aux avoiles. Au rio de Fournaille. Oui. Là, c'est des arbres comme ça, là, au fil à plomb. D'en haut jusqu'en bas. Alors là, la plantation, ça y venait du tout. Les arbres, ils étaient comme ça. Hein. Maman, elle me disait qu'un hiver, ils voulaient les faire partir. À cause que l'avalanche, le terrain menaçait. Personne n'a voulu quitter par les bêtes à l'étape et tout. Vous vous rendez compte, toutes les bêtes. Personne n'a voulu partir et elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue, l'avalanche. Eh bien, en 1895, il y a eu 16 victimes, quand même. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Oui, si. Et il y avait eu 7 ou 8 maisons de démolies. Oui. Mais la coste était comme ça appelée. Ah oui, tous les gens ils se mettaient le feu. Une allumette. Une allumette et puis les moutons. Il fallait faire packager les moutons, les 4 moutons qu'il y avait. Et ils nettoyaient le terrain. Il n'y avait pas un arbre. Et alors, aussitôt qu'il y avait une couche de neige, ça glissait et puis ça descendait jusqu'en bas. C'est vrai que toutes les vacances de Noël, pratiquement tout le temps, il y avait de la neige. Il me tardait de venir de Tarascon. On habitait à Tarascon puisqu'il travaillait à l'EDF. On arrivait ici, on avait de vieux skis. On avait acheté une paire de skis confortés avec du savon. Alors il faisait froid, hein, mais à Noël, le premier travail, c'était de damer les pistes. Alors on se mettait deux ou trois face à face et on remontait là, deux ou trois près. Alors entre les murailles, il ne fallait pas démonter les murailles. Et moi, je me rappelle que j'arrivais surtout à tourner à droite parce que j'avais appris... Ah, et depuis, je dois avoir encore ce défaut, parce qu'il y avait une passe à la fin de la piste, et là, il fallait tourner à droite, et tu tournais pas à gauche, sinon tu te prenais une muraille. On avait un fer, j'en ai encore, un vieux fer, oui, le fer, ouais. Qu'on le mettait devant le feu, et on prenait la cire... De bougie Non, des abeilles. Ah, des abeilles. La cire des abeilles, et on la faisait fondre sur le ski, et puis avec le fer, tu l'étalais. Ah, oui. Parce que tout gosse, on faisait du ski sur les... sur des planches de barrique de verre, qui étaient un peu incrudées comme ça, avec un cuir par-dessus, et les esclottes, les sabots de bois. Et quand on est arrivé à la maison, on était propre. Oui, on l'a pas connu tout ça. On allait dans des préampantes, il fallait se gagner la montée à pied, puis hop, on faisait la descente. En sortant de l'école, on allait faire de la luge là derrière. Là-bas, la dernière maison, on montait sur le toit pour faire... Ah d'accord. Après, quand ça sortait, il fallait se sauver. Moi, je faisais du ski. Mon père, les skis, il me faisait... Ah, c'est lui qui le faisait ? Avec des frênes. Des frênes, puis on les mettait dans l'eau. On avait commencé à des chaînes, on les mettait dans l'eau et on courbait. Mais au bout de deux mois, je ne sais pas, tu l'étais à plat. À plat, il fallait de moi la tremper dans l'eau. Mais c'était... Quand on allait à la course à Montferrier, on était 110 à Montferrier, et 100 carrés, je voulais, il fallait parler du bon camp parce que c'est fou, 100 carrés. Je venais tout le temps 5 ou 6e, hein. Mais je ne pouvais pas aller plus vite parce que les skis, je ne pouvais pas tenir les skis. Les autres, ils avaient des carrés. Hein. Après, les cas de suite, ça change. Hein. Mais les skis, là, sans cas, ça flotte. Hein. Et que ça flotte, s'il y a du bruit. Avant, on faisait la course de portée l'hospitalier. On était 100. On battait au coup de fusil. Et c'était que de la descente, alors? Il fallait monter de portée au Puy-Morens. Ah oui. Et puis ici. De portée le village, hein, d'accord. Moi, j'ai fait trois fois premier. Mais tu sais qui était à montagne. Il y avait une dalle, évidemment, mais en descendant, j'ai doublé, parce que je connaissais le tracé. Il m'a dit, attends-moi, puis je dis, non, je n'attends pas.
Avant, il n'y avait pas de cerf, il n'y avait pas de chevreuil, il n'y avait pas de mouflon. Tout ça, ça y était pas. Le reste, ça y était tout. Les isards, les sangliers, le lièvre, le perdreau, tout ça, les coques de bruyère, ça a toujours existé, ça. Mais il n'y avait pas de sangliers comme aujourd'hui, hein. Non, mais il y en avait. Alors que, très peu. Alors que les cerfs et tout ça, il n'y en avait pas. Hein. Les chevreuils, ça n'existait pas. Dans Zorlu, si tu as deux sangliers dans Zorlu, c'était joli. Hein. Et encore, des fois, ils prenaient la trace ici, ils allaient le tuer en haut du lot. Des sangliers, il n'y en avait pas beaucoup. On y allait avec la neige. Il fallait prendre la piste, la suivre. Et si le sanglier, quand il était remisé, il ne fallait pas que la neige craque. Et quand on tuait 5 ou 10 sangliers à la saison, on avait fait une belle saison. Bon, le chevreuil, il n'y a pas si là que ce qu'il y a. Il y a 15 ou 20 ans qu'il y a des chevreuils, pas plus. Hein. Les biches ont été. Ça a commencé par des biches. Et les chevreuils ont été introduits après. Par contre, après, on avait du lièvre, qu'on en a plus, et des coques de bruyère, de la copette, et des perdreaux. Et puis, moi, il me faisait monter aux granges là-haut, avec un morceau, une fois un morceau de foie de mouton, il m'avait donné. Attaché, une ficelle attachée à la taille, et je traînais. En zigzag, je descendais et le soir, les renards, avec la jumelle, au clair de lune, il fallait qu'ils fassent bien clair de lune, on les voyait descendre sur la neige. On voyait suivre la trace, ils reniflaient partout où j'étais passé. Et ils s'amenaient pas d'y manger la charogne, là. 15, il en a tué un hiver. Les marmottes, il y en a que ici, pas, au lieu au Gex. Mais parce qu'on les a arrachés. Dans l'ancien temps, il y en avait, mais ça avait disparu aussi. Il avait bien remis quelques couples et ça a bien pris. Un bonhomme, il a porté sur une caisse, dans une caisse, il y avait le dos, il a monté les marmottes là-haut, au bispe. À l'origine, c'est le docteur Couturier qui avait réintroduit ça dans les Hautes-Pyrénées là-bas. C'est que la première fois qu'on a entendu les marmottes, nous on était à Stentor. Et on ne savait pas ce que c'était. Hein. On ne savait pas ce que c'était, et puis bon, c'était des marmottes. Et il les a émises et personne n'avait rien dit, et le chevreuil c'est pareil. Moi étant gosse, on pêchait tout avec un noisetier, une ficelle, et on mettait l'aiguille à maillot. Ma mère en splitait. L'aiguille à maillot, sur des truites, on en prenait une, on était content. L'aiguille à maillot cassé. Là, on était jeunes. Et puis il y avait les filets. À un certain moment, les filets ont été autorisés, mais à une certaine maille, quoi. Et là aussi, la maille n'était pas trop respectée. À l'époque de mon grand-père, ce n'était pas interdit. Vous pouvez pêcher au filet, l'entremaille qu'ils appelaient, je vous fais voir, je les ai en bas. Mais là, ils le vendaient, bon papa. Mais de l'époque de mon père, c'était interdit, les filets. On le mettait, les filets. On avait le droit. Un bâton, c'est long, là. Et le matin, on y allait, puis le filet tout le temps. Et tout comme ça. Il fallait le mettre dans le champ du courant. Ça? C'est de l'entremaille qu'il le mettait pour que les plombs ils aillent au fond de l'étang, qu'ils ne restent pas, qu'ils planent pas en surface, vous voyez. Là, pour bien racler le poisson. Ça, c'est les espadrilles qu'il mettait pour lever les filets, au fond des étangs, parce qu'il n'y allait pas avec les souliers, le cuir et tout. Alors, il y allait avec ça, et c'est lui-même qui se les était faites, ces espadrilles. Et elles sont usées, c'est moi, je vous prie de quoi. Celles-là sont centenaires, et c'est moi qui vous le dis. Hein. Qu'elles sont centenaires. Hein? Je levais les filets, je ne sais pas s'il était au compte ou là-haut. Le garde qui lui sort, il avait une truite qui était hors maille. Il voulait se la mettre dans le sac. Et le garde, il est sorti, le garde, et qu'il avait la truite. Eh, monsieur Lafont, elle n'a pas. Pour lui filer un PV. Cette truite, elle n'a pas le. Elle est petite, elle ne fait pas la mesure. Il la lui prend au garde. Le garde la lui prend des doigts, mon père. Mon grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il lui tape sur la main, au garde, ça glisse sur la tuite, pam, elle est partie dans l'eau. Il lui dit, allez la chercher maintenant. En 1936, il y a un ours qui était venu, je ne sais pas où, des Hautes-Pyrénées. Il est resté quelques années, 4 ou 5 ans, et puis tout d'un coup, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Pendant le temps où il est resté quand même, il avait fait
Elle fait des dégâts, hein. Ah oui, avant il y avait l'ours ici. Alors moi, au conseil, je suis au conseil et tout, on ne me fera pas dire du bien de l'ours. Non. Moi, je sais que mes parents, ils en ont souffert de ça. Et bien, il fallait garder les bêtes. Et moi, le dernier ours qui est passé ici, on est allé, je suis allé voir les traces. En 52, il est passé. Il est descendu de vers le Nabre et il est passé dans la vallée, là. Maintenant, il y en a passé d'autres depuis qu'ils les ont lancés. Parce que ma cousine, qui habite au village d'Angola, elle avait un chien et elle allait le promener tous les soirs à la sortie du village. Et elle est allée le promener, elle s'est trouvée presque nez à nez avec l'ours, tout le monde l'a vu. Il s'est lui levé droit devant, elle a eu peur, ça n'est revenu dedans. J'avais 5 ans, je m'en souviens parce que tous les soirs, on rentrait le mouton au parc, chez moi, et il y avait un de mes frères qui allait coucher. Parce qu'au parc, on mettait une lampe à tempête à pétrole. Et si tant qu'il y avait la lumière, ils ne venaient pas. Et moi, j'étais gamin, des fois j'allais coucher avec eux. Je me rappelle qu'un soir, je montais là-haut avec un de mes frères. L'autre était resté dans la cour chez moi, à Pujal. Et il faisait l'ours en bas pour me faire peur. il faisait « ouh ». Et je me rappelle, je tenais la main de mon frère aîné et j'avais la trouille. Mais t'en fais pas, c'est pas l'ours que tu entends. C'est François en bas qui s'amuse. À l'époque, dans la réserve d'Orlu, vous devez le savoir, il y en avait plus de 1500, 1500 isards. Maintenant, je crois qu'il y en a 300 ou 400 dans la réserve. 600, je ne sais pas, il faut les comptages. Mais pendant une période, il y en avait trop, je pense même. Pendant une période, il y en avait entre 1500 et 1600. Et alors, forcément, ça débordait et ça alimentait les communes à côté, quoi. Et papa, tu pourrais raconter quand vous descendiez un isard sur la tête au milieu d'un gaudu, c'était réserve. Et puis le garde qui était caché là derrière la roche. C'était un isard sur la tête, c'était réserve, donc ça devait être les années 50. Ça devait être, moi je devais être tout petit. Et le garde c'était César. Il le racontait souvent à mon papa. Et il leur dit, vous êtes en infraction. Ils l'ont embêté. Puis ils ont discuté un moment, ils ont donné la moitié de l'isard. Après ils l'ont partagé au garde. Et bon, tout s'est arrangé. C'est un peu différent maintenant, quoi. Et puis je faisais une chasse. C'est difficile à faire une approche de l'isard, hein. Pas. Il y a la carabine, mais les lunettes maintenant, c'est rigolade. Là, je suis sûr qu'on supprime la carabine et la lunette. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller à l'isard. Hein. Et alors, je me suis mis à chasser ici, avec les chasseurs d'Orgex, avec les carabines. J'ai dit, c'est plus de la chasse, ça. C'est l'assassinat. Ah, où tu es un isard de 100 mètres. Il n'a pas de défense. Un isard vu, un isard mort, avec une carabine. C'était pareil, la chasse à l'isard, c'était pas du tout la même histoire. Hein. Et on chassait au fusil, à la chevrotine, et donc à l'approche. L'isard, il fallait tirer à 40-50 mètres quoi, pour être sûr d'avoir un bon résultat. Et c'était pas toujours évident de les approcher. À... Il fallait prendre le vent, il fallait faire attention que pas faire de bruit. Et alors, bien souvent, quand vous arriviez, la bête était partie. Il est monté, alors au fusil, bien entendu, hein, puis il est sorti dans des rhododendrons, comme ça, au-dessus des isards. Il fallait arriver au-dessus. Et à un moment donné, il rampait avec le fusil à la main et il sortait à 25-30 mètres des isards au fusil de chasse. Il ne fallait pas être trop loin. Et il a senti quelque chose de froid sur la main, dans les rhodos. C'était une vipère qui lui passait sur la main, comme ça. Il a senti le contact. Il s'est levé, il a eu peur. Les isards l'ont entendu dans les rhododendrons se lever, comme il n'était pas loin, 20 ou 30 mètres.
Ils le font souvent, ils se sont rassemblés. Les Isards, ils étaient tous ensemble là, et il a tiré deux coups de fusil dans l'ensemble des Isards, dans le tas. Sur le coup, il y en a quatre qui sont tombés, et puis il a vu qu'il y en avait qui étaient blessés. Tout ça, c'est parti par en bas. Il y est allé, il en a achevé trois autres qui étaient blessés, donc sept Isards. Et il a mené les sept en bas, donc en faisant des voyages de deux ou de trois, sur la tête, en les tirant. Il est allé chercher la charrette. Et l'âne, ouais. Comme il ne fallait pas le dire, évidemment, avec l'âne, il mettait les fagots par-dessus, les sept Isards dans la charrette, les fagots pour le cacher. Et tout ça, ça partait à la vente chez Rumeau, chez le boucher. Tu avais beaucoup de coques de bruyère à la Sapinière. Et c'est là que je te disais l'autre jour qu'il y avait des chasseurs qui venaient, alors de l'autre, qui venaient, qui s'installaient chez Rouen et qui allaient à la Sapinière chasser ce fameux coq de bruyère. Et là, il y en avait pas mal hein, à la Sapinière du coq de bruyère. Le joc, le jeu, c'est là où ils se réunissent avec les poules pour le fiançailles. Et là, pour appeler les poules, ils émettent un bruit. Et pendant qu'ils chantent, on appelle ça le chant du coq, pendant qu'ils chantent, il perd l'ouïe. C'est à ce moment-là, il a les yeux qui se ferment. Alors c'est le seul moment où on peut les approcher, pour pouvoir les tirer. Il est sans défense pendant un certain moment. Et alors il faut l'approcher là, et si vous aviez un pied en l'air, quand il a arrêté de chanter, il ne faut pas le poser par terre. Hein. Non, il entend. Oui, oui, parce qu'il entend. Il faut rester le pied en l'air jusqu'à ce qu'il remonte, qu'il recommence à chanter. Mais c'est interdit, ça. On se chauffait au bois, hein, ça, tout. Cheminée. Mais parce qu'on avait droit à une coupe. Hein. Chaque maison avait droit à une coupe des eaux et forêts. Chaque maison, je ne sais pas combien c'était, si c'était de canne ou je ne me rappelle plus. Eh, combien c'était, je ne me rappelle plus. Il faisait des lots. Il faisait des lots et puis il tirait au sort. Et on faisait le tour de la montagne pendant 20 ans. Ah oui, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la révolte des demoiselles. Bon, et bien là, c'est à l'époque ici aussi, parce que les gardes, ils plantaient beaucoup de sapins, la forêt en face là-haut. Et ils plantaient, et ils interdisaient les paysans d'y aller avec les bêtes, ni même personnellement, ils filaient des PV. Et pourquoi payer le droit de pacage alors? Et alors les gens, ils se sont révoltés. Ici, la grand-mère à mon grand-père, là, les gens, ils plantaient la journée, la nuit, ils y allaient, les enfants et tout, arrachaient tous les arbres qu'ils avaient plantés, ils les entassaient, ils mettaient le feu. Moi, je me rappelle que maman, avec mon frère, elle nous faisait des petits coussins avec de la laine de mouton, qu'on se mettait sur l'épaule pour porter le bois, pour pas que ça nous abîme les épaules. On portait des fagots sur la tête. Alors, on mettait des brassés. Je mettais quatre brassés. Alors, Alain, il m'a dit, tu en as mis un de trop. Il était lourd, ce fagot, hein. Mais non, j'ai pas mis un de trop. Quand il a tiré la corde, il y a une couleuvre qui est sortie. Ils sont lourds, hein. Il m'a dit, tu sais pas ce qu'il y avait dedans, une couleuvre. Bouh. Pour le tirer, on le laissait à 4 mètres. J'avais un cheval, avec les ferrandelles, qui foutait 4 branches de cette grosseur de 4 mètres. Et on lui faisait, le cheval, il s'en allait, il traversait la rivière, avec les deux bûches, et de l'autre côté, ma mère l'attendait, avec un marteau, il faisait les ferrandelles. Tu le retournais, il repassait la rivière, il remontait là-haut. On venait nous rechercher et on tirait tout le bois comme ça. Au passe-partout. Vous le connaissez, le passe-partout? Il est de cette longueur. Avec deux manches. Je vais le chercher. Oh, il est au grenier. Il est au grenier. Oula! C'est des outils, hein. Pas n'importe quoi. Ça est. Hein. Tu vas battre un arbre de Jérôme. 1,50 m de diamètre.
Et puis on avait droit alors au bois de ramonage, qu'on appelle ça. C'est la maison, il fallait qu'elle ait 100 ans, je crois. J'ai les papiers là que je vais demander moi pour ici. Et vous aviez droit donc d'aller à la forêt, couper des, il venait le garde, qu'est-ce que tu veux faire comme réparation? Qu'est-ce qu'il te faut comme bois? Combien de planches il te faut? Combien de poutres il te faut? Voilà, et le garde il nous donnait tant d'arbres. Voilà, tant d'arbres à couper. C'est pour ça que papa il y avait donné des arbres là-bas à la forêt pour faire à la maison là. Par contre, tous les vieux ils me disaient ça. Ils avaient beaucoup d'arbres dans les prés là, tous les vieux. Mais il faut les laisser pour quand on sera vieux. Oui. Les vieux sont partis, les arbres sont comme ça, ils resteront avantage. Et tout, c'est, mais toutes les maisons, c'était ça. Il faut le garder pour quand on sera vieux. Moi, je me souviens, quand il y avait encore les Allemands à Aix, il y avait une cabine juste à la sortie d'Aix. Il y avait la cabine où il y avait le type dedans, l'Allemand, qui te piquait, qui te laissait passer, qui te piquait ce qu'il voulait. Oui. Moi, je me souviens quand ils venaient ici, les types, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de moutons, ils venaient, c'est la plus jolie brebis. Ah, mais ça, c'était la réquisition. Oui. On réquisitionnait les vaches, ils venaient. Ils te piquaient la plus jolie brebis, ils se sauvaient, tu fermais ta gueule. Hein. Ah. Il y avait des souvenirs, c'est qu'on n'avait pas grand-chose à manger. Je me rappelle le pain qu'on avait dans les tickets. Il valait que dalle, il était pas bon, quoi. Après, bon, j'étais quand même jeune, moi, les Allemands ici, ils y étaient, oui. Mais ils n'étaient pas violents, quoi. Et ici, il y avait des Allemands qui gardaient la frontière. Mais qui étaient, d'après ce que m'ont raconté mes parents, puisque moi je ne les ai pas connus, qui étaient de braves gens quand même, qui n'ont jamais fait de problème, qui les ont pas du tout embêtés, rien. Certains étaient chez l'habitant, mais il n'y avait pas. Et puis, bon, il y en avait à l'hôtel. Et un beau jour, ils voulaient lever le siège quand même, parce que ça devait être. C'était au mois d'août 44. Un Allemand, il y a un Italien, je crois que ça s'appelait Sicchini, mais ça, je ne suis pas sûre. Mais je crois que c'est qu'il s'appelait comme ça. Il a tué un Allemand, là, pas loin du passage à niveau. Et les Allemands, là, mon vieux, ils ont vu rouge. Ils voulaient faire un sauté hospitalier. Et nous, on a eu peur. On est partis, ça y est, à pied. J'ai envie de les Allemands, ça nous tue à tous. On est partis à pied, à Saïens. Et le matin, on est remonté le lendemain matin. Finalement, ils ont eu peur, les Allemands. Ils ont eu peur. Parce qu'en fait, ils sont partis, et moi, j'avais 11 jours. Et ma mère me tenait, et il y avait notamment M. Mouchard, qui disait à ma mère, mais fais la terre, cette petite, elle va nous faire remarquer. Je le vois toujours pareil. Ma cousine, qui était institutrice, son mari lui avait laissé le fusil. Elle l'avait caché sur le bureau. Alors, après un jour, elle l'a porté en nous disant de le cacher nous autres, qu'on avait plus de place. Alors, on avait une grange, on avait du bois, on l'avait mis sur le bois. Voilà qu'on nous a dénoncé aux gens de rien. On était en train de le camoufler. Et par côté, on y mettait le foie là pour les bêtes, parce qu'on n'avait pas la grange encore. Mm. On avait fermé la porte d'un coup de crosse de revolver. Ils ont ouvert la porte et ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'on faisait? On leur a dit qu'on préparait le foie pour le lendemain. Alors, avec une fourche, ils nous ont pris la fourche et ils sont pas malins quand même. Hein. Ils ont fouillé partout. Quand ils ont trouvé le bois, ils étaient contents d'avoir trouvé quelque chose. Finalement, c'était le bois. Alors, ils sont partis. Et dans la nuit, ma belle-mère était courageuse. Elle l'a pris, on avait un champ de pommes de terre à côté, là. Elle est allée le balancer dans le champ de pommes de terre. Oh là là, celui-là, le petit chéri des Bazerques, eh bien, c'était un passeur hors norme. Et papa, il le connaissait. Papa, il chassait avec lui, il chassait Elisa. C'est lui qui l'a appris à papa à chasser Elisa. Et pour vous dire, il passait les Anglais, sans prendre un sou, sans rien, parce qu'il y en avait qui prenaient des sous, vous savez, et qui les abandonnaient, qui les laissaient dans les doigts des Allemands. Hein. Mais lui, et après-guerre, la reine d'Angleterre l'a fait appeler, et elle a voulu les grouper, tous ceux qui ont passé des choses bénévolement. Et il était, je ne sais pas quelle année, là, dans les archives, on peut la récupérer, la photo, hein. Il était pris en Angleterre
avec, en photo avec la reine. Alors, il ne savait pas quoi faire. On lui disait qu'il fallait se décoiffer. Il ne savait pas quoi faire de son béret. Lui, paysan tout, il a mis le béret dans la poche. Et le béret lui sort à la photo à la poche. Une année, ils sont montés en Gaudu, là-haut. Et il y avait des maquisards. Je ne sais pas si c'était des maquisards, vous savez. Ils étaient en train de manger dans la cabane des pâtres. Ça, il est monté deux Allemands, ils ont attrapé sur place, dans la cabane. Et ils sont descendus à pied jusqu'à Aix. Et ils voulaient passer en Espagne. Bon, depuis qu'ils voulaient passer en Espagne, ça fait loin. Et lui, il avait passé les Allemands. Ouh là 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 là. Un jour, les Allemands lui ont tiré dessus, entre Mérens et l'Hospitalet, dans les tartiers là. Et il avait passé des Anglais dans le brouillard. Il a paumé les Allemands dans le brouillard, mais lui, c'est pas paumé, hein, parce qu'il connaissait le coin. Il connaissait le coin. Et l'évolution de l'Andorre s'est faite, je me souviens moi, en 50 et quelques, ils montaient des ballots sur le dos, déjà c'était la première évolution, mais à pied. À pied, non, oui. Les premières évolutions. Moi je me souviens, tu avais des passeurs qui portaient du pas de la casa, qui allaient, ils traversaient vers Gaudu, avec, je sais pas moi, 50 cartouches de cigarettes, du Rica. Ça c'était contrebandier. Et, ouais, et ils allaient au Talc à Trimunts, depuis là-bas. Et à Trimunts. Je me souviens d'une fois, j'avais un cousin qui est encore en vie, il est en Andorra, il a 90 ans. Il passait des ballots de 30 kilos, comme ça. Un beau jour, il s'est pris le mauvais temps et il s'est vu du travail arriver à Mérens. Il arrive à Mérens, chez nous, il me dit, j'ai laissé le ballot justement dans la métairie de la Rousse. Et oui, parce qu'on avait le grange en montagne. À tel endroit. Ils y dormaient souvent dans les grèves. Et il y avait les douaniers qui surveillaient dans le coin. J'y suis allé, je suis descendu le ballot. C'était. Ils dormaient dans notre grève souvent. Oui, oui. Voilà, c'était un type qui faisait que ça, hein. Oui, ils faisaient que ça, souvent. C'était leur métier, quoi. Une fois, le premier Vespa qu'on avait acheté, Marcel, montant Vespa, avant d'arriver à la douane, on le balançait sur le contrebas, tu sais, en dessous de la route, parce que tu ne pouvais pas passer, ils ne te laissaient pas passer. Et on passait sous la douane, on allait chez le bossu. À ce moment-là, au pas de la casa, chez le bossu, il était tout seul. Attends, il n'y avait qu'une maison, on a eu. Oh, il y avait cinq ou six maisons. Tout juste. Oui. Et c'était lui qui s'occupait. Chez lui, il y avait le téléphone, il était le patre, il s'occupait des gens qu'il y avait. C'était le grand chef là-haut. Et alors, on allait chez lui, mais quand on arrivait chez lui, le sac était prêt. On faisait des bêtises. On passait 7 ou 8 bouteilles à travers la montagne. À travers la montagne, oui. On redescendait par la vallée de Mourouillou. Du pas de la casa, faire le tour et venir descendre ici, vous rendez compte de si c'était gagné. Ma mère me disait, tu pourrais monter au pass avec la moto, chercher un gigot. Je partais le dimanche matin, tu allais là-haut, voir le bossu, il avait des brebis, il te chopait un agneau devant toi, il te le tuait, ça le pelait, il te coupait le gigot, il te donnait le gigot. Tu le payais quoi? Rien du tout, presque. Presque rien. Non, pas la case. Moi, j'ai connu pas la case, deux baraques. Deux. D'abord deux. J'ai connu quatre de ville et la douane. Il y avait un pâtre là, d'Andorre, il a une baraque, il avait l'escalier en marbre, il mettait des bouteilles là. Au début, ça marchait. Ici, il était prié d'aller au paracas, ils n'ont pas voulu y aller. Mon père était prié, tout était prié. Ils n'ont pas osé. Ils avaient un bail de 100 ans à la maison, ils n'ont pas osé. Après, il y en a qui en faisaient beaucoup quand on demandait.
Il y en a qui l'amusaient beaucoup, oui. Mais il fallait. Moi, j'étais trop jeune. Autrement, j'en aurais fait. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Dans le fond, on n'avait pas de confort. Et on n'avait pas envie d'acheter là-bas, alors que ça valait que dalle. Hein. On devrait être millionnaire sans avoir. On toucherait les locations, là, comme certains dans la case. On l'a pas, enfin, on l'a pas vu, puis on n'en a pas eu envie, surtout. Au pas, ça fait longtemps, il y avait de la laine. Je partais au pas, à pied, presque tous les jours. Pour aller chercher ? Deux sacs de laine. Sac de laine, je crois qu'on avait à 8 francs le sac. Je portais deux sacs. Et j'avais 17 ans. Il y a des gens de marine, j'ai porté 12 sacs. Par la quinzaine. Une luge. Mais pas loin. Tous les jours, je montais pas à pied. J'ai porté la luge sur le dos. Une luge que mon père qui m'avait fait. Il fait que je porte autant des pointes et des plages en cas que je pète la luge. Bah, c'est pas évident, hein. On était accompagnés. Ouais. D'un garde à la main. Et on était 50 ou 60 types avec des luges. On descendait de la du pas de la case. Du pas de la case. De la laine, avec des luges. Et on chargeait 3 ou 4 sacs et on les descendait. Et on partait à 2h du matin pour pouvoir profiter du gel. Sinon, l'après-midi, des fois, avec le soleil, on ne pouvait pas. La luge, ça. Luge. Et moi, je m'appelle Andorre, ils ont fait la route. Il y avait des tas de gravier. Il avait, comment on appelle ça, des corbeilles. Il remplissait les corbeilles, il vidait les corbeilles à côté, là. Les corbeilles, comme ça. Nous, pour les foins, on avait des employés pour faire les foins chez moi. Chez moi et chez d'autres. Hein. Et ce n'était que des Andorins. On n'employait que des faucheurs, c'était des faucheurs. C'était que des Andorins, parce que par contre, en Andorre, ils étaient encore plus pauvres que nous, hein. Maintenant, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ils étaient plus pauvres. Donc, ils venaient s'engager l'été dans les fermes. Et pourtant, c'était des petites fermes. Et on les prenait, nous, comme faucheurs. Et les faucheurs, il y en a comme ça qui dans le fond, se sont mariés à l'hospitalier. En fait, l'évolution de l'Andorre, c'est inimaginable pour ma part. Pour tout le monde, ceux qui ont connu au début. Ceux qui l'ont connu, deux ou trois baraques, il y avait au baraques. Parce que les gens, ils vivaient un peu à côté avec des chantiers, le chemin de fer ou autre, et les 4 bêtes qu'ils avaient. Les gens ont vu qu'il y avait une autre vie ailleurs, qu'on se gagnait davantage la vie, peut-être sans souffrir comme dans le village, ils sont partis. Parce qu'il fallait rester quand même avec 7 ou 8 ou 10 bêtes chacun dans le village. Oui, c'était pas évident. Élever un cochon ou deux, et c'était tout ce qu'on avait. Autrement, bon, moi je ne retrouvais pas, moi j'en ai pas, un peu de nostalgie même de cette vie passée. On était moins stressé que maintenant, vous savez. J'étais mieux derrière mes moutons qu'ensuite à l'hospitalet à faire des papiers dans le bureau, vous savez. Mais je ne pouvais pas rester à la ferme, je ne pouvais pas y rester. Puisqu'il n'y avait pas de travail pour tout le monde. Donc, il fallait faire ce qu'on trouvait à faire. Rien n'est si beau que ma patrie. Rien ne plaît tant à mon ami. Donc, quelle époque vous préférez, celle que vous avez connue quand vous étiez jeune ou aujourd'hui avec l'évolution un peu plus de ah, je pense qu'on ne peut pas comparer, on peut avoir la nostalgie de cette époque-là peut-être, oui. C'est vrai qu'on faisait avec ce qu'on avait, on était heureux, il faut pas, on ne connaissait pas autre chose. Hein. Enfin, ça n'avait rien à voir quand même à l'époque connue.
qu'on a vécu jusque-là, en disant, je ne sais pas comment elle va être, l'époque, comme on dit. Mais c'est vrai. Mais les besoins n'étaient pas les mêmes, quoi. On se contentait de, finalement, de pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans le village au moment où vous l'avez connu, quand vous étiez jeune et maintenant, à part qu'il y ait moins de monde, à part que... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé Changé, tout a changé. Tout a changé. Il n'y a plus d'école, il y a moins de monde. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de grange. Ça a été tout vendu. Oui, il n'y en a pas beaucoup de grange à vendre, là. Ou de granges que. Il n'y a que nous, qu'on les a encore toutes. Mais vous autres, vous n'avez pas connu ce temps, vous avez une belle vie. Nous, c'était trop, et maintenant, c'était pas assez, maintenant, c'est trop. Et pour la comparaison, qu'est-ce que je vais dire à un jeune? Maintenant, on dit aux jeunes qu'il faut qu'il étudie pour avoir un peu d'instruction pour se démerder dans la vie. Mon Dieu, qu'on est bête quand on est jeune. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. L'amour ne dure pas lontane. Et on... Vous rendez compte depuis l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à 97 ans? Toute ma vie qui s'est passée dans la tête. Ada, 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 les montagnards, ada, 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 les montagnards sont là, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Eh bien, j'ai bavardé. Ah, là, j'en aurai des choses encore.